Cher Carole Bouquet, nous sommes dans un petit cimetière du Berry en 1876. C'est la fin du printemps, il pleut. Et toutes les paysannes sont là en train de réciter leur rosaire et de pleurer à chaudes larmes. Qu'est-ce qui se passe? Qui enterre-t-on? Est-ce qu'on enterre une religieuse? Est-ce qu'on enterre une vieille châtelaine conservatrice? Pas du tout. On enterre une anticléricale. Et autour de la tombe, il y a beaucoup de gens très importants. Il y a le prince Jérôme Bonaparte, Flaubert, Dumas fils, Renan. Et qui enterre-t-on? Eh bien, vous avez déjà deviné. On enterre George Sand. Et George Sand est un personnage qui est au centre du 19e siècle. Elle a été l'amie de tous ceux qui sont à son enterrement. Du beau monde, et plus que du beau monde, des gens qui ont compté dans l'histoire des idées. Elle est l'amie des Goncourt, de Marie d'Orval, de Liszt, de Lamennais, de Sainte-Beuve, de Lacroix, de Mérimée. Et elle a été surtout la maîtresse de Jules Sandeau, d'Alfred de Musset, de Chopin et de pas mal d'autres, qui dit mieux. Alors, quel souvenir est-ce que vous gardez de vos lectures de George Sand? Un souvenir malheureusement très ennuyeux, parce que j'ai lu Enfant à la mare au diable et que le personnage de George Sand était présenté de façon fort ennuyeuse. Oui, malheureusement, c'est-à-dire on ne vous parlait pas du tout de cette femme, on avait une espèce de caricature de femme soi-disant en pantalon et fumant le cigare, écrivait des choses champêtres, et c'est tout ce qu'on nous disait, tout le reste était complètement occulté. C'est vrai que la mare au diable, la petite fadette, François le Champi, nous en gardons des souvenirs peut-être un peu vagues, et c'est vrai aussi que son époque et notre époque se sont beaucoup partagés à son sujet. Les uns la détestent et les autres l'adorent. Parmi ceux qui la détestent, il y a un critique contemporain, peut-être Esclébrelins, qui disait « c'est la vache laitière de notre littérature ». Pour très aimable. Et quelqu'un d'autre disait pire. Cet autre, je vous dirai le nom tout à l'heure, disait à peu près « elle est bête, elle est lourde, elle est bavarde, elle n'a jamais rien eu d'un artiste. Pour la profondeur du jugement et la délicatesse des sentiments, elle est du côté, je voudrais que cette estimable profession me pardonne, ce n'est pas moi qui parle, elle est du côté des concierges et des filles entretenues. Que quelques-uns aient pu s'amouracher de cette latrine est la preuve de notre abaissement. » Oh, c'est parce qu'elle n'avait pas voulu de lui, ça, c'est pas possible. D'être méchant pas comme sûr. Ça. C'est Baudelaire qui dit ça, c'est Baudelaire. Alors, il était jaloux. D'un autre côté, vous avez des admirateurs farouches, vous avez Flaubert qui l'adore, vous avez Alain, plus tard, qui dit « cette grande femme est un grand homme », et plus intéressant, vous avez Dostoïevski qui dit d'elle « c'est un être unique par l'esprit et par le talent ». Ça me touche beaucoup, car c'est mon écrivain préféré. Mais c'est fou de voir justement cet éloge et cette haine, mais ce personnage comme ça tellement important, qui, j'ai l'impression, a été complètement occulté après. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai eu une enfance avec un personnage de George Sand fort ennuyeux, et je crois que ça commence peut-être un peu à changer maintenant, mais il y a eu ça pendant très très longtemps. Et en même temps, aujourd'hui encore, à côté de vous, vous avez les fanatiques de George Sand. Je voulais citer seulement le nom du président des Amis de George Sand, qui s'appelle Georges Lubin, et qui a consacré son existence entière à George Sand. Et peut-être a-t-il eu une envie pour d'autres raisons, parce que peut-être cette femme s'appelait, avait un prénom étrange, et que dans son enfance, il s'est demandé pourquoi elle avait un prénom étrange, et qu'on a bien voulu lui expliquer. Mais à notre époque, on ne nous racontait pas pourquoi une femme avait voulu s'appeler Georges, ce qui me semble plus intéressant que tout. On peut porter une espèce de double jugement sur elle. D'une part, elle écrit de conneries, de trucs rasants. Et d'un autre côté, elle est peut-être un des esprits et une des âmes qui a le mieux incarné le romantisme du 19e siècle. C'est ce que nous allons tâcher de voir. Alors, ce qu'il y a d'intéressant chez George Sand, c'est que cette quasi-communiste descend d'une famille royale. Il y avait au XVIIIe siècle un personnage bien intéressant qui s'appelait Auguste de Saxe. Auguste de Saxe était roi de Pologne et il a eu une liaison
avec un personnage passionnant, Aurore de Königsmark. De cette liaison naît un bâtard, dont il y a une représentation ici, sur cette tabatière, vous le voyez. Et ce personnage, qui est un grand homme, s'appelle Maurice de Saxe. Maurice de Saxe est très connu parce qu'il a été maréchal de France, il a été un des grands stratèges de son temps, et il a eu des aventures féminines innombrables. Il y avait deux sœurs qui étaient deux beautés extraordinaires, on pourra aussi en parler pendant des heures. Je vois que vous pourriez en parler facilement. Vous savez, Stendhal dit « la beauté est une promesse de bonheur ». J'en suis pas sûr d'ailleurs là-dessus, on pourrait vous interroger. Vous, oui, plus oui. que personne d'autre, ma chère Carole. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une promesse de bonheur. Eh bien, ces deux sœurs, Marie et Geneviève, Marie devient la maîtresse du maréchal de Saxe, et de cette liaison naît une fille. Et cette fille s'appelle, comme sa grand-mère, elle s'appelle Aurore. Bon, le prénom que je préfère. C'est beau, Aurore, oui. non ? Elle va épouser un type qui est déjà vieux, qui s'appelle Dupin de Franqueuil, voilà. C'est marqué finance. Voilà. Ça veut dire Dupin, qu'il fait quoi, ce monsieur ? Je pense que c'est régisseur général des finances. C'est un vieux monsieur très convenable et très sympathique, finalement. Donc, Aurore devient Madame Dupin, et elle a une assez grosse fortune. Et elle a aussi un fils qui s'appelle Maurice Dupin. Tout ça se passe au moment de la Révolution. C'est en 1793, en pleine terreur, que Madame Dupin, notre Aurore, achète en plein Berry une propriété qui s'appelle Nohant. Et son fils Maurice entre dans les armées de l'Empire, il va finir par devenir colonel, il va tomber amoureux d'une jeune personne qui s'appelle Sophie Victoire. Alors cette Sophie Victoire-là, elle ne descend pas des rois. Son père vend des oiseaux, c'est quelqu'un très simple. Et il tombe fou amoureux d'elle. Sa mère, Aurore Dupin, fille d'un maréchal, petite fille d'un roi, elle n'est pas très contente de ça. Mais enfin, Maurice tient bon et il épouse sa Sophie Victoire. Et c'est de cette histoire d'amour que naît une petite fille qui s'appelle Aurore, à son tour, qui est notre futur George Sand. Alors vous voyez, d'un côté, et elle insiste beaucoup là-dessus tout au long de sa vie. D'un côté, elle descend du peuple par sa mère, et par son père, elle descend de financiers, de maréchaux et de rois. Voilà comment se construit une vie. Alors, on va aller assez vite. Son père, le colonel, revient d'Espagne pendant l'Empire et il se promène quand tout à coup, aux environs de Nantes, le cheval fait un écart et il est désarçonné et il meurt. Et voilà notre pauvre petite Aurore qui a déjà perdu son père. Elle est déchirée entre sa mère et sa grand-mère. Elle a été élevée par sa grand-mère. Elle a été élevée par sa grand-mère. Et cette Madame Dupin, si j'ose dire, la veuve du portefeuille, là, oui. est une femme très sérieuse, très, très forte et qui a une grande influence. La petite est mise au couvent. Elle est très pieuse, vous savez, quand elle est au couvent. Et il y a un drame, c'est que la grand-mère meurt à son tour. Les relations avec la mère sont très vite, à la fois passionnée et très difficile. Alors elle est toute seule, là, comme ça. Elle voit naturellement beaucoup de jeunes gens. À Nohant, nous en trouverons quelques-uns. Mais finalement, elle tombe par hasard sur un jeune homme. Elle a 18 ans. Ce jeune homme est lui-même le fils naturel d'un baron du sud-ouest, de Gascogne. Mais il y en a, hein. Oh là là, il y en avait tapé. Et il s'appelle Casimir Dudevant, elle l'épouse. Et c'est le début de grandes difficultés et de grands malheurs. Voilà George Sand marié. George Sand qui n'est pas encore George Sand, qui est la baronne Dudevant. Les choses se passent d'abord à peu près bien. Je crois qu'elle est enchantée d'être mariée et ils ont très vite un garçon qui s'appelle Maurice. Mais les choses commencent à se gâter, très doucement d'abord, avec l'intrusion de deux personnages. L'un s'appelle
Aurélien de Sèze et l'autre s'appelle Stéphane de Grandsagne. Grandsagne s'occupe de médecine, d'anatomie et ils ont de longues conversations ensemble et elle n'est pas, je crois, tout à fait insensible au charme de Grandsagne. Quand elle est mariée, elle va dans le sud-ouest puisque le baron est gascon et elle rencontre Aurélien de Sèze. C'est un homme assez beau qui s'occupe de droit, très idéaliste, très exalté. Entre la jeune baronne du Devant et le jeune magistrat monsieur de Sèze, il y a évidemment une sorte d'idylle platonique qui s'établit. Et le baron du Devant prend ça assez mal et il y a des négociations qui commencent à s'établir entre la future George Sand et son mari. Ces négociations prennent des allures quelquefois un peu comiques parce qu'on va jusqu'à signer des traités entre les deux époux pour dire très exactement à combien de lettres elle aura droit par mois de Aurélien de Sèze. D'ailleurs, il est probable qu'au moins à cette époque-là, la baronne du Devant n'est pas la maîtresse d'Aurélien de Sèze. Et il se passe même un événement un petit peu mystérieux. Vous savez, nous entrons là dans des domaines où c'est très difficile de se prononcer. Elle va avoir un second enfant. Et ce second enfant sera une fille qui s'appellera Solange. Eh bien, autant il est sûr que Maurice est le fils du baron, autant pour Solange, il y a un doute. Et s'il y a un doute, le doute ne porte pas sur Aurélien de Sèze, mais sur Grandsagne. Il est possible que Solange soit la fille de Grandsagne. Il y a eu des discussions interminables sur ce point entre sandistes. Alors vous voyez, les choses marchent déjà un petit peu moins bien entre le mari et la femme lorsque se produisent en gros trois événements qui sont à peu près concomitants. Le premier événement, c'est un événement tout à fait bourgeois. En rangeant des papiers, la baronne du Devant tombe sur les dernières volontés de son mari Casimir, qui n'est pas du tout mort. Elle ouvre ses dernières volontés, ce testament, et elle voit avec horreur que son mari ne l'aime plus du tout, la méprise et porte des jugements effroyablement durs sur elle. Vous comprenez que ça la secoue un peu, notre pauvre Aurore Dupin du Devant. Le deuxième événement, c'est la révolution de 1830, qui éclate à ce moment-là et qui commence à enflammer un peu les esprits. Et puis le troisième événement, c'est que parmi tous les jeunes gens qu'elle voit dans son Berry natal, elle rencontre un jeune homme qui va jouer un rôle plus important encore qu'Aurélien de Sèze et que Stéphane de Grandsagne. Et ce personnage un peu mince, un peu fluet, le petit frisé, mon Jules, comme elle va dire, c'est Jules Sandeau. Et avec Jules Sandeau, la baronne du Devant file à Paris. Mais elle n'avait jamais pensé pendant tout ce temps à l'écriture. Jusque-là, elle n'y pense. Elle est une épouse, elle élève ses enfants. Une épouse, et elle a naturellement des exaltations, elle a des besoins de s'exprimer, elle jette des choses sur le papier, mais elle ne se dit pas qu'elle va écrire. Tu m'avais dit que Paris était une ville sale et bruyante, que tu n'aimais pas. Je n'ai pas changé d'avis, tu sais. Comment tu vas vivre? Avec quel argent? Je ne peux plus vivre ici, Ursule. Casimir m'enverra chaque mois une partie de ce que rapportent les terres de Nohant. Mais je veux gagner l'argent de ma vie. En faisant quoi? En travaillant. N'importe quoi. Du dessin, des tabatières, des portraits. Du pain, du devant, encore une fois, vous allez faire scandale. Bonheur à celui par qui le scandale arrive. Voilà la baronne du Devant à Paris, en situation tout à fait irrégulière. Alors ce qu'il y a de frappant avec Aurore, c'est que
elle continue à faire des accords avec son mari. Je passerai tant de temps à Paris, tant de temps à Nohant. Mais évidemment, sa vie s'est déplacée. Et maintenant, elle vit presque ouvertement avec le jeune Sandro. Et dans le couple, il est tout à fait clair que l'homme, c'est elle. C'est plutôt Jules Sandeau qui, avec sa figure très douce, fait figure de grisette, n'est-ce pas? C'est elle qui est l'élément solide, l'élément sérieux du couple. Mais de quoi vit-elle alors? Ça, c'est une question très intéressante. C'était elle qui avait la fortune. Mmh. Et le drame au 19e siècle, c'est qu'en se mariant, sa fortune est devenue celle de son mari. Et elle est obligée de demander de l'argent à son mari pour vivre à Paris. Elle va rencontrer beaucoup de gens, notamment un couple illégitime, lui aussi, qui est bien intéressant, qui est Marie d'Orval et Vigny. Et Marie d'Orval et George Sand vont être unis par une amitié qui est plutôt une amitié amoureuse qu'une simple affection. Mais elle ne se contente pas de voir des amis, c'est là qu'elle va se mettre à écrire avec Jules Sandeau. On va comprendre très vite qu'elle est beaucoup plus forte que lui. Et c'est même assez pathétique. À un moment donné, Jules Sandeau dira à Aurore « Je ne suis pas né comme toi avec un ressort d'acier dans le cerveau. » Et un beau jour, il faudra bien qu'elle se sépare de Jules Sandeau pour écrire à son propre compte. Et c'est là qu'elle prendra le nom de Sand, avec peut-être pour marquer que c'est elle en réalité qui est l'homme. D'ailleurs, elle va finir par s'habiller en homme et elle va fumer le cigare et elle va signer ses livres, ses propres livres, G. Sand, George Sand, quand elle se séparera littérairement de Sandeau. C'est à ce moment-là qu'elle va utiliser ça, cette plume. C'est à ce moment-là qu'elle va utiliser cette plume. Vous avez tout à fait raison. Imaginez écrire un livre avec ça, tout un livre à la main. Mais... Et vous savez, énormément de livres. Elle faisait 20 pages, 30 pages dans sa nuit. C'était une femme qui avait une puissance d'écriture incroyable. Et c'est avec cette plume que nous devons à la maison où nous sommes ici, qui est le musée Renan Scheffer, où il y a beaucoup d'objets de George Sand qui sont réunis. Et notamment cette plume qui est très émouvante, puisque c'est la plume avec laquelle elle écrit. Et les enfants? Eh bien, les enfants, elle les partage avec son mari et ça va donner lieu à des disputes infinies. Les enfants sont un peu ballottés de l'un à l'autre. En tout cas, elle ne cesse jamais de s'en occuper car elle a la fibre maternelle. Ouais. Elle transportera, si on peut dire, cette fibre maternelle sur ses amants. Sur ses amants et que ce sera à l'origine de drames. En attendant, quand elle écrit avec Jules Sandeau et... Oui, pardon, je voulais savoir justement. Qu'a-t-elle commencé à écrire au départ? C'était des romans? Alors, c'était elle commence à écrire des petites choses avec Jules Sandeau, et puis elle sent qu'elle a une grande œuvre à écrire, et elle va écrire un premier roman qui s'appelle Indiana, qu'elle signe seule, George Sand, mais celui qui jouera le plus grand rôle dans la vie de celle qui est en train de devenir George Sand, c'est Henri de Latouche. Latouche avait acheté un petit journal satirique, qui valait pas grand-chose, qui venait de naître, et qui s'appelait comment? Il s'appelait le Figaro. Et Latouche a été le directeur de ce petit journal qui s'appelait le Figaro. Et Latouche avait des spécialités, il faisait des bigarrures. Il découpait des petits morceaux de papier très courts et il les donnait à ses journalistes stagiaires en disant « Écrivez-moi ça et pas plus que ça ». Et George Sand a commencé par faire des bigarrures. Mais elle était très jeune encore. Quel âge? Nous sommes là autour de 1830. Elle a donc quelque chose comme 26-27 ans. Et un jour, elle arrive et elle lui remet le manuscrit d'Indiana. Et Latouche, méfiant, comme tous les critiques, dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« c'est encore une espèce de pastiche, j'imagine. Bonjour, le pastiche. » Et puis, il lit Indiana. Et il lui écrit un mot comme on rêve d'en recevoir quand on est jeune d'un grand critique. Il lui dit « Ah, mon enfant, comme je suis content de vous !» Indiana a été un grand succès et George Sand, signant d'elle-même, séparée littérairement de Jules Sandeau, est déjà entrée dans le monde littéraire de Paris. Le pauvre Sandeau, il va avoir beaucoup de mal pour arriver jusqu'à l'Académie et il y entrera sans qu'on se souvienne d'aucun de ses livres.
Mais ça arrive de beaucoup de gens qui sont célèbres. Ça arrive de beaucoup de gens qui sont célèbres, vous avez absolument raison, Carole. Eh bien, petit à petit, la liaison va s'effilocher. Et la jeune Aurore, la jeune George Sand, avec ses cigares, ses pantalons et ses mœurs provocantes, avec son amitié amoureuse avec Dorval, va commencer à trouver des hommes. Et un des hommes qu'elle va trouver, c'est un grand écrivain, c'est Mérimée. Et Mérimée la séduit, je trouve que c'est une scène épatante pour le cinéma. Vous demandiez qu'est-ce que deviennent les enfants. Eh bien, elle a emmené sa petite fille, Solange, c'est une drôle d'idée, elle l'a emmenée à l'opéra, voir Robert le Diable. Et Solange s'est endormie. Eh bien, il y a un homme qu'elle connaît à peine, qui est Mérimée. Il prend Solange sur son épaule et il traverse tout l'opéra en emportant la petite fille sur son épaule, endormie. Eh bien, je crois que ça a dû remuer George Sand. Mérimée lui faisait la cour depuis longtemps. Et George Sand dit, eh bien, écoutez, vous y tenez, eh bien, on va faire l'amour. Et elle lui a dit ça comme ça, probablement. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, ça a été un échec terrible. Ça a été un fiasco. C'est-à-dire que Mérimée n'a presque rien pu faire. Alors évidemment, c'était flatteur pour George Sand d'avoir une aventure avec Mérimée, littérairement, mais sentimentalement et physiquement, ça a été un échec terrible. Et George Sand est là, écrivant, commençant à connaître et à goûter la gloire littéraire, et puis un beau jour, il se passe quelque chose d'important. C'est un déjeuner. Dans ce restaurant, où George Sand est invité, il y a un jeune poète auprès de qui toutes les femmes se pâment et il y a une espèce d'odeur de soufre autour de lui, c'est évidemment Alfred de Musset. Alors Alfred de Musset et George Sand commencent à se voir et entre eux, c'est une amitié qui se forge. Vous savez, George Sand aimait bien ses amitiés un peu viriles. C'était presque devenu une espèce de sujet de plaisanterie entre l'amour. Ah non, pas nous, on ne va pas tomber là-dedans. Et puis, un beau jour, George Sand reçoit une lettre de Musset. Et cette lettre commence par ces mots merveilleux. « Mon cher George, j'ai quelque chose d'un peu bête et d'un peu ridicule à vous dire. Je suis amoureux de vous. » Il faut dire que Musset a 6 ans de moins que George Sand. Et George Sand résiste peut-être un peu. Et puis elle se met à materner cet enfant. Musset est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, qui a eu beaucoup de malheurs, qui est à la fois très violent et très faible. Et elle se met à le protéger. La passion se développe. Ils partent ensemble pour l'Italie. Comment est-ce qu'on va en Italie? Eh bien, on descend le Rhône, on prend une espèce de coche d'eau ou de bateau. Et sur ce bateau, il y a de quoi faire rêver les historiens et ceux qui aiment la littérature. Musset, naturellement, beaucoup plus fragile, George Sand fumant le cigare et affrontant les éléments. Plus que fragile, même presque insupportable, comme un sale gosse. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Et il rencontre un monsieur qui est un diplomate, qui va rejoindre son poste en Italie. Peut-être que vous avez déjà deviné qui c'est. Stendhal. Mais oui, il va à Civitavecchia. C'est monsieur le consul de France à Civitavecchia. Et Musset, George Sand et Stendhal descendent le Rhône ensemble. Si ça, ce n'est pas une situation romanesque, je veux bien être pendu. Et alors, ils vont arriver à Gênes. Et déjà là, les choses... Ah non, elle ne se gâte pas, mais il y a des problèmes. D'abord, elle ne se sent pas bien. Et deuxièmement, il faut qu'elle travaille, vous savez. Je crois que c'est les hommes qui agacent un peu les femmes, enfin, après ma modeste expérience, parce qu'elles veulent toujours travailler. Ah oui, je déteste ça. Vous détestez ça? Moi, je veux bien aller travailler, mais j'aimerais bien vivre avec quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple. C'est vrai. Aïe, c'est embêtant, ça, quand même. Moi, je veux bien prendre tout en charge, donc je comprends très très bien. Ah ben voilà, oui. Vous voyez le problème. Qu'elle a eu envie qu'il reste à la maison. Eh bien, George Sand, elle était comme ça. Il lui fallait ses 8 heures de travail par jour. Alors, où elle travaillait, où elle était malade.
Et il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et... Moi, je sais que j'ai lu ses lettres, enfin, j'ai lu une partie de la correspondance. Il lui dit quand même qu'il s'ennuie. Enfin, il n'est pas. Et il lui dit. Il dit qu'elle est la personne la plus ennuyeuse. Il va jusqu'à lui dire : je ne sais pas pourquoi nous sommes là, je ne vous aime pas. Et il sort et il va retrouver les filles. Ça commence déjà dans le nord de l'Italie et à Venise, ça empire. Je ne t'aime plus. C'est difficile à expliquer. Je n'éprouve plus aucun sentiment d'amour pour toi. Pas de désir non plus. Même quand tu es tout près de moi, je te vois très loin. Al Daniele, prego. Oi, oi, lei mi sa, da che vado premando. Oi. Et la pauvre George Sand, eh bien, elle est très malheureuse. Et puis, tout à coup. Coup du sort, les choses s'inversent. C'est Musset qui tombe malade. Comme George Sand avait été elle-même pas bien, elle avait une adresse de médecin. Et elle a appelé ce médecin dont elle s'était servie pour s'occuper du pauvre petit Musset tout grelottant dans son coin. Et ce médecin, c'est le fameux Pagello. Alors Pagello était un homme, je crois, assez beau, assez sympathique, et il est lui-même fiancé. Et nous, nous pouvons comprendre l'attitude de Musset, je ne vous aime pas, il court les filles, il boit, il s'ennuie avec elles, et il est là, sur son lit, et George Sand, qui avait de grandes difficultés à éprouver du plaisir dans l'amour, mais elle avait des besoins très grands. Et tout à coup, elle lève les yeux vers Pagello et évidemment, elle le trouve à son cou. Alors là, il y a une scène extraordinaire de Musset qui est sur son lit, n'est-ce pas ? Et Pagello qui est là, qui est en train de parler de la santé du malade, et George Sand qui est à sa table de l'hôtel d'Alinelli. Si vous allez à Venise, vous pouvez encore voir la chambre merveilleuse de George Sand. C'est un peu un gâchis si on prend une chambre pareille que pour travailler et pour écrire, ah oui. Je le comprends bien. En effet, là, écoutez, ça je vous promets que si vous venez avec moi, là je renoncerai à travailler. Ça, c'est vous voyez, c'est presque un affront quand même. Promis. Alors, elle est en train d'écrire, c'est une déclaration à Pagello. Vous savez, il ne comprend pas très vite Pagello. Alors, elle plie son papier et d'une plume rageuse, elle écrit dessus « Au stupide Pagello ». Et elle lui tend. Ce n'est pas tant. Alors tout ça se déroule. Musset ne sait pas très bien s'il a des hallucinations ou pas, parce que de son lit, il voit bien que les autres se parlent. Il lui semble même qu'ils boivent dans la même tasse. Et Musset, qui avait fini par décider qu'il n'aimait pas George Sand, eh bien il devient jaloux. Fou de jaloux. Et alors le drame est noué, n'est-ce pas ? Est-ce que George Sand a été la maîtresse de Pagello en présence de Musset ou est-ce qu'elle a attendu que Musset s'en aille ? Parce que Musset est parti dans un grand élan romantique. Il a abandonné la femme qu'il s'était mis à aimer. Rentre à Paris, le cœur en écharpe, n'est-ce pas ? Et George... Le cœur en écharpe ? Ah ben si, à ce moment-là, il en est fou. Ah oh, ben si, là, comment ? Parce qu'il a été insupportable et qu'il lui a dit qu'elle était à mourir d'ennui. Donc. Et Pagello et George Sand sont là. Je crois que c'est Mauroy qui dit « Elle a l'adultère ménagé ». Et alors elle brode énormément et ils parlent ensemble. Et puis évidemment, il doit faire autre chose aussi. Et George Sand est très imprudente. Après avoir filé le parfait amour à Nice, elle va ramener Pagello à Paris. Et là, petit à petit, ça va se dégrader et Musset va reconquérir
Jean Le Sandre. Et alors, il y a des échanges de lettres, vous savez, merveilleux, les lettres de Musset qui dit « J'ai soif, mon Georges, j'ai soif de toi ». Et les réponses sur un ton plus triste de Georges Sand qui répond « Oh, mes yeux bleus, vous ne me regarderez plus ». Parce que cet amour qui reprend, qui se rebrise, qui reprend encore une fois, c'est un amour condamné. Mais se séparer quand on s'est beaucoup aimé, c'est très difficile, surtout pour les romantiques. Et entre Musset et Georges Sand, c'est un déchirement terrible. Une fois qu'il a rompu avec Georges Sand, Musset va en pèlerinage dans tous les endroits où ils se sont aimés. Et c'est là que naît un des poèmes les plus célèbres de Musset, qui est « Souvenir ». La foudre maintenant peut tomber sur ma tête, jamais ce souvenir ne peut m'être arraché, comme le matelot brisé par la tempête, je m'y tiens attaché. Je me dis seulement à cette heure, en ce lieu, un jour je fus aimé, j'aimais, elle était belle, j'enfouis ce trésor dans mon âme éternelle et je l'emporte à Dieu. » Il oui, en vous fait riez, beaucoup, vous hein. riez. Un peu parce qu'il en fait beaucoup. Oui, il en fait beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai que ce sont les cris de la passion et il écrit... Je comprends bien, mais je la trouve, elle, beaucoup plus sincère que lui. Enfin, oui, je trouve de la lecture des lettres. Oui, oui, bien sûr. Elle est plus sincère, elle est plus touchante, elle est plus émouvante. Tout de même, il y a aussi des textes d'elle qui touchent aussi au ridicule. Il faut bien le lire. Il y a un texte stupéfiant où elle explique à Musset son amour pour Pagello et où elle lui dit à peu près textuellement « Je l'aimais comme un père et toi » c'est-à-dire qu'elle a deux amants, n'est-ce pas ?« Oui, oui. Et toi, tu étais notre enfant à tous les deux. » Ah oui, j'ai lu ça. Vous avez vu ça. Alors, elle, pendant ce temps-là, vous vous rappelez, elle avait des traités, des chartes avec son mari, tout ça, évidemment, ça ne colle plus beaucoup, et ça, ils sont obligés de se séparer. Bah, le divorce n'existe pas, mais il y a des procès en séparation, il faut faire des arrangements financiers, et elle prend un avocat. Elle est dans le Berry, un type qui s'appelle Michel de Bourges, et c'est un bon avocat. Elle va le voir. Je vois une lueur dans votre œil. Ah qui oui, me dit... il y a une lueur. Parce que... Il n'a pas été qu'un avocat. Non, il n'est pas ça. Il est son avocat et en même temps, il devient son amant. Et c'est un personnage étonnant parce que vous voyez Musset quand même très élégant, jeune, un prince de son époque, un dandy, merveilleusement beau, merveilleusement séduisant. Et Michel de Bourges, c'est un homme de 37 ans. Il n'est pas très vieux. Non. Mais c'est un vieillard, il est complètement chauve, il est cassé, il a une voix caverneuse, comme ça, il a des beaux yeux et des belles dents. Mais c'est une espèce de déchet usé par la vie, elle tombe folle de lui. C'est un homme de gauche, dirons-nous, un homme qui veut la révolution. Et il la fascine, et elle devient sa maîtresse. Et alors, évidemment, les admirateurs de Musset sont un peu sévères pour Georges Sand, qui, si peu de temps après cette passion, en a aussitôt une autre. Et la passion entre Michel de Bourges et Georges Sand va être très importante. C'est lui qui, le premier, va jeter dans l'âme de Georges Sand les ferments du socialisme et de la révolution. Mais en même temps, elle poursuit sa vie mondaine et elle a d'autres amis qui entrent aussi dans sa vie. Il y avait eu le couple Dorval-Vigny. Et maintenant, il va y avoir un autre couple qui va jouer un grand rôle. C'est Marie Dagout et Franz Liszt. Franz Liszt, alors lui, c'est celui qui, quelques années plus tard, va être l'amant de Lola Montès, dont nous avons parlé il y a quelque temps. Eh bien, à cette époque-là, il est encore l'amant de Marie Dagout, et il se lie beaucoup entre eux. Marie Dagout devient une amie presque aussi intime que Dorval pour Georges Sand. Il y a un autre voyage qui a lieu à ce moment-là, et c'est un voyage insensé. Et entre Marie Dagout, Georges Sand, Maurice et un certain nombre de gens, il y a quelques jours d'exaltation, de gaieté, ils font des blagues, ils répondent n'importe quoi sur les questionnaires, vous savez, des hôtels, on leur donne « D'où venez-vous » de l'opinion publique, « Où allez-vous ? Au ciel ?» Tout ça, ce sont des moments où la passion est remplacée par des moments d'exaltation, mi-intellectuelle, mi-plaisante, jusqu'au moment où elle rentre à Paris. Vous savez, ce qui compte dans la vie des gens, ce qui compte beaucoup, c'est les chaînes d'amitié. Tout naturellement, par Marie Dagout et par Liszt,
elle va rencontrer un autre musicien, un musicien de génie lui aussi, polonais, 7 ans plus jeune qu'elle, très aristocrate, très conservateur. Ah, très conservateur. Très conservateur, Chopin, c'est de Chopin qu'il s'agit, oui, naturellement. Oui. Chopin était très choqué par les idées avancées désormais de George Sand. Il avait un trait commun avec Musset, c'est qu'il avait une très mauvaise santé. Et évidemment, il fallait à George Sand quelqu'un dont elle puisse s'occuper. Alors, avec Chopin, elle est servie. Et très vite, elle se met à avoir une tendresse pour Chopin, une tendresse qui n'est pas dénuée de scrupules, parce que elle avait quand même pas mal d'aventures maintenant derrière elle. Il y avait encore des gens qui traînaient dans sa vie. Michel de Bourges traîne encore dans sa vie. Mais ce qui est beau, c'est que chaque aventure a laissé des traces importantes et bien d'une sûr. Telle générosité chez elle qu'elle s'est ouverte à tout. Et dans socialisme, ses livres, absolument. Dans ses livres, dans son action politique, partout, comme toujours, il y a des stratifications où la vie se mêle naturellement à l'œuvre. Parce qu'elle partait d'une chose tellement différente et puis les idées ont changé, chaque fois, ce que vous disiez tout à l'heure au début. Enfin, elle se laisse aller à sa nouvelle passion pour Chopin, qui sera quelque chose de très important et de très durable. Musset, c'était l'Italie, Chopin, ce sera l'Espagne. Ils veulent partir tous les deux, si possible, dans une île pour cultiver leur amour, et ils jettent leur dévolu sur les Baléares. Ils passent par Barcelone, et à Barcelone, en bon héros romantique, Chopin se met à tousser. Alors, déjà, ce n'est pas très gai, enfin, ils arrivent à partir pour Majorque. Et là, au début, ils sont enchantés, les enfants sont très contents. Et puis, je crois que nous sommes vers novembre, décembre, le temps commence à se gâter et il se met à pleuvoir terriblement. Et ces maisons ne sont pas vraiment faites pour la pluie et ça commence à devenir très éprouvant. Alors, ils essayent de trouver un endroit plus vivable et ils partent pour une abbaye qui s'appelle la Chartreuse de Valdemossa. Et je crois qu'ils ont conservé un souvenir rude, avec toujours ce torrent de pluie, ce froid, le pauvre Chopin qui est malade. Elle se dit, il faut que je m'occupe de cet enfant qui est mon amant, et elle se met à le soigner avec un dévouement de sœur de charité. Et puis, il faut quand même rentrer à Paris, je crois que le voyage de retour est une horreur. Le capitaine du bateau a bien repéré qu'il y avait un malade, alors on ne lui donne pas une bonne cabine, on lui donne des couchettes les plus infectes pour qu'il ne contamine pas les cabines de luxe. Mais enfin, ils arrivent à rejoindre Nohant, et là, Chopin, George Sand et les enfants vont mener une sorte de vie familiale. Nohant commence à devenir un endroit où les écrivains, les artistes, les poètes viennent, et on va chez George Sand à Nohant comme une espèce de pèlerinage obligatoire. Il se passe quelques petits drames, l'amitié avec Liszt et Marie Dagout commence à s'affaiblir. Une autre chose qui occupe George Sand, c'est le mariage de sa fille Solange. Les choses ne vont pas bien avec Solange. Elle, qui avait une fibre maternelle si développée, elle n'a pas vraiment bien réussi avec ses enfants et surtout avec sa fille. Solange est fiancée à un hobereau du voisinage. Lorsqu'elle tombe sur un sculpteur à Paris qui s'appelle Clessinger, elle tombe follement amoureuse, elle l'épouse, et ce sont des débuts de drames familiaux terribles que nous trouverons dans la toute dernière partie de la vie de George Sand. Mais déjà, il se passe quelque chose que George Sand accueille avec enthousiasme. Pierre Leroux, un nouveau personnage révolutionnaire. C'est avant la lettre, si vous voulez, entre guillemets, un communiste. Eh bien, après l'influence de Michel de Bourges, Pierre Leroux va faire de George Sand une femme de gauche, une socialiste et peut-être presque une communiste.
La révolution de 1830, elle l'a à peine senti passer, parce que c'était les débuts de la littérature et les débuts de l'amour avec Jules Sandeau. Au contraire, la révolution de 48, elle en saisit, malgré Chopin, si conservateur, elle en saisit toute la signification, et pour elle, la révolution de 48, c'est un grand événement de l'histoire de l'humanité. Où vas-tu, citoyenne? Tu sors bien tard. Je rentre, au contraire. Je viens de terminer mon travail. Et c'est quoi ton travail? J'écris pour le bulletin de la République. Je ne sais pas écrire quand il fait jour, et puis je n'ai pas le temps, il se passe tellement de choses. Et qu'est-ce que tu as écrit dans ton dernier bulletin? J'ai dit que si les élections ne faisaient pas triompher la vérité sociale, il n'y aurait qu'une seule voie de salut pour le peuple qui a fait les barricades. Ce serait de protester, une seconde fois, contre les décisions d'une fausse représentation nationale. Nous nous battrons encore s'il le faut. Bonne nuit, et dors bien, citoyenne. Bonne nuit. En 1848, George Sand n'est pas une vieille dame. Elle a 44 ans et elle a encore un peu plus de 30 ans à vivre. Mais enfin, elle est déjà entrée dans la maturité et il y a quelque chose qui l'intéresse au moins autant que ses amours, c'est la politique. Et est-ce qu'elle est socialiste? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est communiste? Je crois qu'on pourrait presque le dire. Je crois qu'elle est plutôt communioniste, selon une formule de l'époque. C'est-à-dire, c'est une espèce de communion mystique qu'elle voudrait. Naturellement, elle est hostile à toute violence. Elle va à Paris, elle joue un rôle considérable. Et puis, elle est prise très vite dans les batailles entre Lamartine et Louis Blanc, entre Le Drurolin, Raspail ou les extrémistes. Et lorsque les journées de juin marquent le glas de la République de gauche, elle est un peu désespérée. Et paradoxalement, elle accueillera assez volontiers Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, parce qu'elle s'imagine que le socialisme, c'est lui. Et elle le voit comme un héros socialiste. Il faudrait que vous me racontiez pourquoi, on n'a peut-être pas le temps vraiment. C'est-à-dire qu'au moment de l'échec des journées de juin, au fond, vous avez deux possibilités. L'une, c'est de revenir à une forme de monarchie Louis-Philippe-arde ou de revenir à une démocratie conservatrice. Et l'autre possibilité, c'est de se jeter dans les bras de l'homme providentiel. Et quand Napoléon III fait son coup d'État, il est pour beaucoup de gens de gauche une sorte d'espérance. En tout cas, c'est comme ça que le voit George Sand. Elle était très généreuse, très dévouée à ses amis, et elle intervient plusieurs reprises auprès de Louis-Napoléon pour ses amis de gauche qui sont emprisonnés ou qui sont poursuivis. Mais la politique n'est pas le tout de ses activités dans ces années 48, dans les années 50 et 60. Il y a ses amours et sa famille. Alors ses amours, là encore, pour sauter un peu par-dessus les temps, elle est entourée d'un certain nombre d'hommes plus jeunes qu'elle en général, qui sont un peintre, toujours plus jeune qu'elle. Un peintre qui s'appelle Lambert, qui est spécialisé dans les chats, un journaliste qui s'appelle Bory, un homme de loi, je crois, et surtout un quatrième personnage qui est un sculpteur, qui a 13 ans de moins qu'elle, qui s'appelle Manceau, et qui finira par prendre une place considérable auprès d'elle et paraître, sinon le dernier, du moins le dernier de ses amants qui comptent et de ses amants permanents. Mais ces affaires de cœur sont très liées à des affaires de famille. Maurice et Manceau finissent par se brouiller affreusement et ce sont des drames terribles pour George Sand qui est sans cesse obligé de choisir entre son fils et son compagnon. Il y a d'autres drames
liée. Et tout ça se passe où alors à ce moment-là? Là, elle est installée à Laurent, elle se brouille complètement avec Solange, au point qu'elle écrit des lettres stupéfiantes à son fils Maurice en disant « Fais attention si tu vas chez ta sœur, fais attention à ce que tu manges et à ce que tu bois. » Elle soupçonne sa fille Solange de vouloir empoisonner son fils Maurice. Elle a 46 ans, 48 ans, 50 ans, 60 ans, et elle joue le rôle, si on peut dire, de châtelaine socialiste. Et elle... Je crois avoir lu que ce n'était pas très drôle, la vie. Ah non. Écoutez, je crois que par certains côtés, ça devait être franchement très emmerdant. Gautier explique à ses amis que c'est comme un couvent des frères moraves. Mm-hmm. C'est-à-dire que les choses sont très réglées, n'est-ce pas? On fait du théâtre avec Manceau, avec son fils Maurice. Ils ont construit des marionnettes et on joue les marionnettes. Mais c'est un peu, on a un peu l'impression de fête obligatoire, vous comprenez? De fête. À telle heure on fait ça, À telle heure on prend sa tisane, à telle heure on joue aux cartes, et à telle heure on fait du théâtre. Alors. Tout ça, et à quelle heure travaillait-elle? On devait dîner vers 6 heures, ensuite elle devait mener une vie collective jusqu'à 8 heures ou 8 heures et demie, et ensuite elle allait travailler jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. Alors elle avait ses 8 heures de travail dans la nuit, Manceau l'accompagnait, je ne sais pas s'il la regardait travailler ou s'il sommeillait dans un fauteuil, et elle se couchait avec l'aube, et puis naturellement à côté de la politique, à côté de l'amour, à côté de la famille, il y a la littérature. Naturellement, elle écrit des romans, Maupras, La Petite Fadette, François le Champy, La Mare au Diable, tout le monde connaît ça. Un livre plus idéologique qui s'appelle Consuelo. Et elle travaille beaucoup pour la Revue des Deux Mondes, pour Bulos, pour les revues de gauche. Elle travaille énormément. Et elle a publié sur ses aventures avec Musset un livre qui s'appelle Elle et lui. Il y a toute une série de volumes là qui sont quelquefois un peu durs et un peu rudes pour le George Sand vieillissant, quelquefois attaqué très très violemment. En même temps, quand elle va à Paris, elle va dans des dîners où elle rencontre toujours Renan, les Goncourt, Berthelot et surtout un écrivain plus jeune que Renan ou que Dumas fils, et qui est Flaubert. Et avec Flaubert va s'instituer une grande amitié littéraire qui joue un très grand rôle dans la dernière partie de la vie de George Sand. Et les lettres de George Sand avec Flaubert sont des chefs-d'œuvre d'intelligence, de générosité et d'amour de la littérature. Pendant que George Sand et Flaubert correspondent, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui est dans l'ombre. Là, c'est le mari de George Sand. Et il existe toujours. Casimir Dudevant, il existe toujours. Il mène sa vie. Il y a des maîtresses servantes. Et qu'est-ce qu'il pensait de sa femme? Je crois beaucoup de mal. Un jour, on lui a dit, comment vous trouvez votre femme? Elle a dit, elle ressemble plutôt à un coucher de soleil qu'à une aurore. Ce qui était bien spirituel pour lui. Mais il y a pire. Il avait envoyé une lettre qu'on a retrouvée à Napoléon III, où il réclamait la Légion d'honneur, et il donnait comme argument qu'il avait été le mari de George Sand. Pire, des malheurs conjugaux qui sont entrés dans l'histoire. C'est quand même épatant de demander la Légion d'honneur parce qu'on est cocu. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, cette fin de vie de... Heureusement qu'il l'a eu, parce que sinon on ne parlerait pas de lui. Je ne sais pas s'il l'a eu. Oui, non, mais heureusement qu'il l'a demandé. Qu'il a eu les malheurs conjugaux. Oui, je veux dire, heureusement qu'il a épousé George Sand, sinon ça serait un illustre inconnu. Bien sûr. Oui, il y a toujours avantage à être malheureux à cause de génie. Ça vous fait au moins entrer dans l'histoire. Alors. C'est mieux que d'être malheureux avec des imbéciles. Oui, absolument. Flaubert joue un grand rôle dans cette fin de vie de George Sand, qui maintenant est une vieille dame, qui a 70 ou 72 ans. Et en dehors de ces événements privés, littéraires, il y a évidemment encore une grande épreuve qui va surgir après la révolution de 1830 à la révolution de 48. C'est évidemment la guerre de 70 et surtout la Commune. La Commune a fait couler des flots d'encre parce que les écrivains, et même les écrivains de gauche,
ont pour la plupart été horrifiés par la Commune. Flaubert, lui, vomit la Commune, vomit la démocratie, vomit le suffrage universel. George Sand, on lui a beaucoup reproché d'avoir été dur pour la Commune. Mais il y a une lettre célèbre à Flaubert où elle explique très bien qu'il ne faut pas confondre les excès de la Commune avec la démocratie et avec le peuple. Et contre Flaubert, elle affirme de nouveau son attachement au peuple, au suffrage universel, au progrès et à la démocratie. George Sand va survivre assez peu, quelques années, à la Commune, puisqu'elle meurt en 76, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et on peut essayer, en quelques secondes, de porter un jugement final sur ce qu'elle a fait. Ce ne sont peut-être pas les livres de George Sand qui font sa grandeur, mais plutôt, finalement, ce sur quoi on l'avait le plus attaqué, c'est-à-dire sa vie. Sa vie, ses mémoires, sa correspondance, tout ce qui montre la place qu'elle a tenue dans ce siècle étonnant et dans le romantisme. Oui, une femme très moderne. Elle est très moderne. Mmh. Finalement, elle a participé au socialisme, elle a participé à la libération des mœurs, elle a participé à la révolution sexuelle, elle a participé à la lutte d'une certaine sincérité contre les conventions et contre l'hypocrisie. Et à beaucoup d'égards, elle a peut-être été, dans ce qu'elle écrit ou dans ce qu'elle est, un peu ridicule. Mais je crois que sa sincérité, sa bonté, sa générosité forcent l'adhésion. Et même... Oui, je crois vraiment... Bon, je ne pense pas qu'on puisse se moquer d'elle, car je crois que de faire ce qu'elle a fait à l'époque où elle l'a fait en tant que femme était tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Et que même moi, je lui dois beaucoup peut-être à elle et puis à d'autres femmes, mais donc je crois que... Je pense que toutes les femmes lui doivent beaucoup, et je crois que même quand on relit quelquefois en souriant un peu des passages de sa correspondance avec Musset, avec Pagello, avec tant d'autres, avec Flaubert, eh bien je crois qu'on est convaincu que Flaubert avait raison quand il disait que cette grande femme était un grand homme, ou peut-être que ce grand homme était une grande femme. Et une femme tout court ? Thank you.